Ah chef, ok donc Mongol contre les 1, c'est y part, première game, première ranked, je suis au taquet de ouf. Ah ok, oh, la sensi elle est sévère de ouf. Alors j'ai envie de PC parce que l'autre PC à côté était assez, assez buggé on va dire. Ok, ramenons les bonhommes, on va baisser un peu la sensi parce que là c'est super sensible, là c'est plus du tout sensible du tout. Oh putain ça vient la pute. Ok là ça va, ok là ça va. Hop là. Parfait. On met les moutons. Alors on va les scouter avec les moutons. Travail connasse. Ok. Alors les 1, on est. Donc les 1 c'est une civilisation qui a pas besoin de créer d'habitation. Du coup c'est relativement sympa parce que c'est du coup un assez bon early game. Et c'est une très bonne. C'est une très bonne race. C'est celle que j'ai le plus joué d'ailleurs. Parce que c'est bon, probablement la meilleure. Oh merde. Un truc est pas fini, bon c'est pas très grave. C'est pas trop la mort. Ok. Lui va aller à droite. Lui va aller vers le haut. Ok, on n'est pas trop mal. On va aller envoyer un cum à gauche. Ah, j'ai pas les Tiny Wood. Ah merde. Ah, du coup, c'est pas le bon PC. Merde. Du coup, j'ai pas les. Du coup, j'ai pas les Tiny Wood et le grid. C'est pas trop grave. Pour le coup, c'est pas trop la mort. On mettrait la prochaine game. Hop là. En gros, j'ai pas le. La petite. En gros, on voit mieux quand, avec d'autres améliorations, d'autres trucs en plus. En gros, c'est un peu cheaté, mais on peut le prendre. Alors, ok, on a trouvé une relique, c'est pas mal. On n'a pas trouvé les biches encore, je crois. Enfin, j'ai pas le souvenir de les avoir vues. Hop là. Allez, oula, waouh, on est de ouf. Je sais pas s'il avait du ping ou pas, j'ai pas fait gaffe. Hop là. Voyons voir. C'est ok. Les biches, elles sont peut-être ici. On va aller checker. Oula, il y a un perfect wall du coup, puisqu'il fait le tour. Donc il y a un wall naturel a priori. J'aime pas me faire couiller parce que s'il y en a pas, du coup je suis bien déçu. Mais ok. Lui il sort. Il va aller pouler l'autre cochon. Il va aller faire une petite maison. On va faire une maison. Putain, on voit tellement rien sans les grids. Oh my god. Oh le bâtard, il m'a ouvert un autre cochon, le bâtard. Il m'a carotte de ouf. Alors, il n'y a pas les. J'ai pas trouvé les. Les quemés là, les. Ah, ils sont là, les biches, ok, elles sont à gauche. Attends pour moi, hop. Donc là, on est en retard. Pourquoi on est en retard? Il y a que 3 mecs au bois. Ah merde. Non, il essaie d'en avoir 4, autant pour moi. Alors. C'est pour ça. On va aller poser le moulin vers là-bas. On va aller fouler lui. Le moulin, on va le poser là pour que ça wall. Ça pourra voler avec un seul petit mur ici. Ça va être bien. On est pas mal. On est pas mal. La bouffe du coup ici. On va ramener la bouffe sinon je pourrai pas recréer un autre perso. On fait passer derrière. On essaie de ramener surtout le cochon devant. On évite l'auto-attaque. Parfait. Ok, 21 de bouffe. Parfait. Ici, c'est 4 mecs au baie. Il nous manque de la bouffe. Ok, parfait. Ok, on est bien. Le départ est plutôt pas mauvais. Honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Donc, c'est ok. Ça pourrait être probablement un peu meilleur. Mais overall, c'est quand même plutôt bien. Alors, on a juste perdu un peu de bouffe au niveau des. au niveau des moutons. Alors. Non, change d'avis, bon. Ok, plus 1. Il nous manque plus qu'un bonhomme. C'est bien. Ok, que dalle ici. Parfait. Ok, donc là, c'est le deuxième camp de bûcherons d'ailleurs qu'on va créer. Lui va aller pouler lui et va aller créer une maison. On va quand même créer la maison direct, comme ça, ce sera fait. Et on va lui faire couper du bois. Oh merde, ça a pas pris ma commande, my bad. C'est pas grave. Ah non. Ok, donc lui va aller pouler ça. Eux, il reste 19 de bouffe. On a plus qu'un cochon. Enfin, qu'un poulet. Un deuxième hit. Ça recule. Il va être vachement exposé ce woodcamp. Ça me fait bien chier. Là il full bug, en mode full débile. Parfait. Combien de bouffe il reste? 56, 2 mecs suffisent.
Ok, on envoie deux mecs là-bas. Ok, là on n'est pas trop mal. On va juste aller casser cet espace-là. On va aller aussi voler cet espace-là. Pas la peine de finir le mur. Hop là. Ouais, même un mur commencé fait que du coup le mec il est baisé, genre il peut rien faire. On va le droit de rentrer à l'intérieur, lui aussi. Donc encore un mec, après on envoie les restes au gold. Et on est pas trop mal. Là honnêtement, c'est pas loin d'un truc très correct. On va les envoyer au gold direct là. On en a bien assez. Ok, donc là c'est perfect wall si j'ai pas de conneries. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Vas-y, finissons le wall, on s'en bat les couilles. Eh bien, parfait. Créons ça. Toi, tu vas me recréer une petite maison. Hop là. Et on va tout simplement envoyer les mecs ici. On en a 6 ici ou 7. 7 comme d'hab. 6, 7, ouais. Ok. Il y a peut-être que 3. Il n'y a pas beaucoup de serres. J'aurais pu les poulets du coup. C'est pas grave. On tech. J'en ai vu que 2. J'ai que 2 serres. What the fuck? On est très 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 bien, je pense. Ok, il nous manque les poussibus et tout, mais c'est pas trop grave. Alors, ok, on va aller scouter ce qu'il fait maintenant. On est sur un joueur qui joue les 1, donc il peut me rusher rapidos. C'est une possibilité. On va aller waller ici, je pense, avec un camp. Un petit camp de bâtard. Là, on va rajouter. On va la faire couper là plutôt. Encore un, encore deux. Ok. Est-ce qu'elle est partie travailler? C'est cool. Par contre, je vois pas les autres biches quoi. What the fuck? Deux biches, j'ai jamais vu. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Tous de bouffe. Ah, il y en a une autre là-bas. D'accord, ok, je trouvais ça bizarre. Hein. Merde. Changeons de direction. Oh, y a quand même un putain de délai sa mère. Ok. Bon, allons au bois avec lui. Là ils sont pas full bouffe normalement. Ouais, nickel. Parfait. Toi, te touche pas la nouille, bâtard. Ok. Donc là c'est le moment où on doit créer des fermes. Faisons la tech ici. Créons un petit cum là. Merde. Faire pas tes bois s'il te plaît, Simer. Faut essayer d'utiliser des mecs qui ont déjà posé leur bois sinon c'est la mort. Ok, 3 bois, enfin 4 de fermes. C'est pas mal. 2 de plus. Ça fera 6 de fermes. Ça commence à avoir une gueule. Ah merde. Rip. Ah. Entrelacement. Pas trop trop grave. Ok. Parfait. Envoyons-les là. Eux ils vont finir leur moment leur bouffe. Même bouffe là, il a 20. Il a 3. Donc là on peut en envoyer 2 direct là-bas. Envoyons-les direct. Lui il a fini le truc, il va aller là, il va aller au bois derrière. Ok, on est pas si mal, on est bien, on est très très bien, je suis chaud. Bon là j'étais un peu focus Aya. Nickel. Maintenant il faut qu'on crée les bâtiments évidemment offensifs, tout ça tout ça. Donc typiquement ici on va créer du petit bâtiment offensif. Je suis un petit peu low en bois malheureusement. J'aurais peut-être dû le faire avec un... Avec un autre mec, mais bon. Oh là. On est tellement loin en bois là. Sa mère. On est un peu light en bois là, j'avoue. En même temps, on a créé quand même pas mal de fermes. Hein. Parfait. Let's go. Ok, ça perfect wall pas. Ok, donc là, écurie, tout ça, tout ça. Faisons juste des petits murs de bois là, ça nous protégera beaucoup plus. Et allons voler derrière. Ok, notre collègue qui doit peut-être un peu laguer. Parfait, bon on est bien, on est hyper bien là dans la game.
On est hyper bien. On va l'attaquer dans très peu de temps. Le temps juste de créer une armée. Et normalement, ça devrait le faire, je pense. Alors. On n'a pas assez de bouffe. Pas assez de bois, pardon. Hop là. Parfait. Non, rentre à l'intérieur. Ok, donc là c'est Perfect Wall, là c'est Perfect Wall. On n'a pas beaucoup d'espace pour entrer dans notre base. En haut normalement c'est Perfect Wall puisque du coup notre mec faisait le tour. Donc je pense qu'on est full wall de partout. Hop là. Ce qui est plutôt pas mal. Alors. Un deuxième au calme. Parfait. C'est le moment où on va essayer de tech à l'âge d'après. Je suis un peu late sur mon écurie, je pensais la faire avant, je pense. Ça, on en a plus besoin. Parfait. Combien de bouffe il reste? 85. Ça suffira largement. On va décalage d'après. Quand c'est long, peut-être 2-3 trucs. Pas besoin. Il y a juste eux qui sont vulnérables. Ok. Donc voyons voir. Bon, j'ai pas trop bien scouté par contre depuis tout à l'heure. Donc là il est en train de faire des fermes. C'est des fermes à 175. Il est en train de faire des lanciers. Il fait les contres à ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas trop la mort. C'est clairement jouable. Donc là, pochon une forge. Il y a un mec qui se fait attaquer. Ah d'accord, il m'a envoyé un cum comme ça, genre. Il y a vraiment un cum comme là chez moi, quoi. On va les cacher pour l'instant. Pas lui montrer que je suis en train de faire ça. Débarre. Il y a la mif en termes de... Il y a la mif à de ouf en termes de... en termes de loup. Hop là. On a fini ça, super. Alors on va tech et on va faire l'amélioration des 1 dégât. Comme ça on est large. Alors j'hésite à faire le métiatissé mais j'ai envie de tech d'abord. Sinon, il va pas m'attaquer là. Il a rien pour m'attaquer je pense. Oh le délai. Oh bâtard. Ok, regroupons-les. Parfait. Tac, les 1 dégât surtout. Ah non, les 1 dégât c'est préférable à ça d'abord. Oh merde. Oh merde. Oh j'ai choke. Oh j'ai choke bien comme il faut là. J'ai bien choke. Ok, donc il a créé plein de lanciers. Bon à savoir. Ok, il envoie ses villageois là-dedans. Pourquoi pas. On dégage des châteaux. Ça va pas lui finir depuis très longtemps. Ok, c'est pas gênant. Allez, château en cours. L'amélioration des 1 dégâts est faite. On va focus les paysans. On focus tous le même paysan. Et merde, il en reste évidemment 1 HP. RT, c'était triste. Parfait. On regarde celui qui est le HP. Lui en l'occurrence a une femme. C'est elle. Ok. Parfait. On continue à kite ces bonhommes. Mon château est bientôt terminé. Merde, j'ai perdu un bonhomme, c'est pas très grave. Ok. On lui a fait super mal, c'est très bien. Alors. On s'avance pour aller poser notre fofo. Notre fofo là il me paraît pas mal. Ok. Ils ont coupé les lumières chez moi, au calme. Crée un autre fofo ici. Mon unité vient de tomber, c'est pas très grave. Ok. Bah parfait.
Wow, c'est trop bizarre quand il fait tout noir. Attends, pardon, vous me voyez encore là ou pas? Wow, vous me voyez encore, mais il n'y a vraiment plus de lumière, quoi. C'est insane. Ok, nickel. Bah, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très très bien, ça. On va prendre la portée, du coup. Switchons sur autre chose. Hop, contrôle 5. Là, on est en train de faire double, triple fofo. Il est encore à l'âge féodal. C'est le moment où il faut qu'on mette le coup de grâce, en gros. Ok, donc ça va bourriner des péons là-bas. Là, il y en a deux qui vont faire que des bâtiments archerie. Et en même temps, ça va perfect wall. Parfait. Ok, et ben on est bon. C'est nickel. On est là, on est extrêmement bien. On est extrêmement bien. On a mis un bon Arras. On lui a forcé en plus à créer du piqué qui va pas forcément lui être super utile. On va faire cette amélioration là pour avoir plus de bois. On crée nos unités. Il nous faut du bois et de l'or. Et c'est évidemment ce qu'on a été chercher en masse. Donc là, on peut créer beaucoup d'unités, je pense. On va en créer 3 pour pouvoir vraiment en produire masse. La pierre, ce sera pour plus tard. Quand on va faire des châteaux pour des mangodai et tout ça. Parce que c'est en 1v, ma classe est plus late game. Si j'arrive à tenir l'early game pour l'instant, en gros, l'early game est à l'avantage de sa civilisation. Et le late game est clairement à mon avantage. Oh merde. Oh merde, quel con. Je suis supply block comme une merde. En même temps, pas étonnant vu le nombre de trucs que je suis en train de prod à la seconde et que j'ai pas créé de maison. Ok. On va créer plus de trucs. Ça continue à tech un petit peu. Merde, oh merde, j'avais oublié ça. My bad. C'est ce point de ralliement qui n'est pas bon du coup, qui n'est plus bon. Ok, parfait, let's go. On n'a pas trop de food, c'est bien. On a juste pas assez de gold, je pense. Et on est en train d'en écumer un petit peu. On va rajouter du perron là-bas. On va rajouter du perron là-bas. Il est passé à du château, ok. Il va vouloir créer ses forums, justement, comme nous. Pour rejoindre un petit peu... rejoindre un petit peu tout ça. Ok, donc là, on est sur le moment où on va passer à l'attaque. La deuxième grosse attaque, en l'occurrence. Et celle-là va lui faire très mal, je pense. Alors. Ok, encore une ou deux unités. Là, il a pas de quoi se défendre. C'est parti. Prends celle-là également. Et c'est Tipar. Donc là, on attaque avec tout ça. On tech notre dernier truc. On a toujours, on est toujours short en gold maintenant. On a un peu trop de bois, donc on va baisser notre production de bois. Et on va augmenter notre régène de trucs. C'est Tipar. Ok, donc là c'est l'attaque. Intéressant, on va faire une université du coup pour pas miss nos attaques. Ok, donc là faut le faire chier. Hein. Là on va faire deux groupes, on va faire un groupe et un deuxième groupe. Ok, il y a du péon là, au calme. Pas besoin de trop de bouffe en vrai dans ce build là, donc parce qu'on n'a pas besoin de spécialement de bouffe. Par contre on a besoin de putain de maison. Hein. Merde. Oh.
Ok. Là, ils peuvent pas looter davantage. Et on fait attention là, pas se faire surprendre. On envoie l'équipe 2 au niveau de la gold. Elle est en train de courir, donc on n'a pas l'amélioration balistique encore. Du coup, ça galère un petit peu. Hop là. Un autre coup de camp. Ok, donc là, la bouffe qu'on va avoir, ça va être pour passer à l'âge impérial. Donc là, le deuxième camp va attaquer, le deuxième groupe. On va essayer de pas overkill. Elle nous envoie les armées en haut. On essaie d'asphyxier un petit peu. Ok, même circle, on fait gaffe. On recule tout, on regarde notre prod. Ok, parfait, on reprod. Et toujours pas assez de gold, on va essayer de jouer une autre gold, en l'occurrence celle-là. Vas-y, go, on va aller prendre des péons. On va aller prendre des péons et on va aller créer un forum là-bas. Idéalement, je préférais créer un château. On va essayer de faire un château, en récupérant un peu plus de trucs. Parfait. Ok, on attaque. Bon, là, on lui met une bonne pression normalement. Ça m'a l'air d'être bon, hein. On voit que il commence à prendre du retard normal. Là, c'est le moment chiant où tu te fais enculer ton économie. Ok, son armée est là, on fait gaffe. On joue pas son armée, on fuit. On grandit notre groupe 1. Notre groupe 2 s'en sort bien. On va aller s'avancer avec notre groupe 2 au niveau de sa bootcamp. Ils vont faire un château. Ah, on a pas assez. Oh putain, la 10. Ok, avançons vers le bootcamp. On va avoir les 10 de pierre au bout d'un moment, quoi. Et on fait gaffe. Mais putain, ils travaillent pas ou quoi? Ah, ça y est. Ok, en passage de château. Ah merde, on peut pas. Putain, quel con. Bon, GG, tu gères maintenant. Merci, bro. Ouais, je t'avoue que là... Là c'est chaud là. Là t'es pas bien hein. GG wellplay. Bon là du coup on l'a asphyxié avec nos archers de cavalerie. Et il va bien jouer. Bien joué, bien joué. Il avait fait des bonnes unités contre les archers de cavalerie, c'est-à-dire des lanciers et des chevaliers. Ce qui sont des bonnes unités contre, mais c'est vrai que c'était pas facile. Peut-être rajouter des tirailleurs. Et je vais pas laisser créer trop de forums et du coup c'était un peu la merde. Quand je suis passé à du château et que j'ai eu les forums avant, en vrai je pense qu'il avait plus ou moins loose. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Mais gros, invoque tes 7 mains, bâtard! Ah ouais, non, mais là, là c'est de manger les 7 mains!